Salut à tous! Alors aujourd'hui, comme vous l'aurez vu au titre et au fait que mon visage soit dénué de tout maquillage, on se retrouve pour un tutoriel make-up. Alors en vrai, j'appelle ça un tutoriel make-up, mais c'est plus un t-shirt make-up, on teste des trucs, je vous fais un petit look et voilà quoi. Vous l'aurez remarqué, il y a encore un petit changement puisque j'ai rajouté des petites lampes dans le fond, je trouve ça super mignon. Ça donne une atmosphère un petit peu plus chaleureuse, puis quand on va zoomer, ça va être encore plus chou. De toute façon, vous aurez vu ça dans le vlog, soit de la semaine passée, soit de samedi, en fonction de quand je poste cette vidéo-ci, si je la poste le samedi d'après ou le mercredi qui suit. Ou pour être plus clair, ça dépendra si j'aurai repris 2 vidéos par semaine ou si je reste à une. Aujourd'hui, on se retrouve pour tester pas mal de trucs puisque j'ai un fond de teint, j'ai 50 millions de palettes, je sais pas du tout laquelle utiliser. Avec vous, franchement, je crois que j'ai une petite idée parce que j'ai une petite préférence, mais il y en a tellement. De toute façon, je vous sortirai un haul juste après cette vidéo aussi, mais je pense quand même que ma préférence va pour celle-ci, c'est la palette The Mandalorian de Colourpop. Vous savez que j'adore Baby Yoda. J'ai d'ailleurs craqué pour la petite housse qui est sortie quand ils ont un petit peu agrémenté la collection, mais du coup en même temps que la sortie de la palette The Mandalorian. Mais les teintes sont trop trop belles, c'est vraiment le même style que la The Child. Pour vous les montrer un peu l'un à côté de l'autre, c'est vraiment la même chose, hein. Sauf que bah, là du coup vous avez Mando, alors qu'ici vous aviez Grogu. Et là où la The Child c'était une harmonie beaucoup plus neutre, chaude et verte forcément, celle de Mando est plus froide. Voilà, je vous les mets ici côte à côte, elle est un peu plus froide, vous avez un très beau vert du chrome ici, il est magnifique, j'ai trop bien maquillé avec. Et alors, dans la Baby Yoda, vous avez un miroir avec écrit Cutest in the Galaxy, et dans celle-ci, vous avez Mando et Baby Yoda avec Wherever he goes, I go, ce qui est trop, trop, trop mignon. Donc je pense que c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui parce que j'ai trop, je la trouve trop belle cette palette, et puis bah, c'est une de celles qui me donne le plus envie de tester. Même si en fait dans toutes celles que j'ai, bah, comme j'ai reçu ma commande Colourpop récemment, c'est la première fois que je maquille depuis, et du coup c'est la première fois que je vais pouvoir tester le nombre de palettes qu'il y a là. J'ai aussi acheté un fond de teint, le Longwear High Cover Foundation, donc le Power Fabric de chez Armani, que pareil j'ai trop envie de tester avec vous, du coup c'est un fond de teint beaucoup plus couvrant et plus mat que le Luminous Silk que j'avais déjà testé. J'en teinte 4.5, donc j'espère que ça ira pareil trouver sur Vinted. J'ai encore aussi palette teint, enfin j'ai des blushs, j'ai plein de trucs à tester. Donc on va doucement s'y mettre et puis bah écoutez, je vais vous rapprocher et on va commencer. Bon, je suis venue appliquer ma base, poudrer mon arcade sourcilière après avoir nettoyé mes sourcils que j'ai fait comme d'habitude avec le Brow Pen de chez Anastasia. Et du coup on va commencer avec la palette. Je pense que pour aller avec mon fard de chrome, ce sera mieux si je travaille des fards plus froids parce qu'en fait de base je voulais mettre le beige un petit peu plus chaud et le jaune, mais je pense pas que ça ira super bien avec le vert. Donc je pense plutôt que je vais me concentrer sur ces deux couleurs là. Donc je vais commencer avec la teinte Mythosaur qui est juste ici avec mon pinceau E12 de chez Wycon. Alors je vais pas trop en prendre parce que j'ai peur que ce soit quand même bien pigmenté, c'est pas super clair comme teinte. D'habitude mes teintes de transition sont quand même un peu plus claires. Alors le fard est poudreux, dans le sens où ça fait pas mal de poudre libre dans le pan. Mais pour l'instant ça me fait pas de chute donc ça me va très bien. Bah écoutez, pour cette couleur-là, ça s'est très bien passé. C'est un genre de gris légèrement taupe. Je vais prendre du coup la couleur d'à côté qui s'appelle This is the Way, qui est un genre de gris plus foncé, un poil kaki, que je vais prendre avec mon petit pinceau de chez MSQ. Je sais que d'habitude, je prends d'abord le pinceau NYX, mais là, j'aurais quand même l'appliquer de façon un poil plus précise. Donc je pense que ce sera très bien d'aller directement avec ça. Et du coup, je vais appliquer ce fard-là en coin externe et un peu plus bas dans le creux pour commencer à intensifier. Alors les deux mélangés, ça donne genre un gris un peu plus foncé. Et alors ce fard là est un poil plus poudreux que le taupe, qui était déjà pas mal poudreux. Et pourtant je les prends doucement, genre je fais ploup dedans, je tourne pas mon pinceau dans tous les sens dans le fard. En fait j'ai l'impression que le fard est pas spécialement plus foncé que le taupe. Ça donne un peu cette impression là où ils sont l'un sur l'autre et superposés. Mais je pense pas qu'ils soient vraiment vraiment plus foncés. Du coup oui, ça intensifie un peu mais pas non plus des masses quoi. Je vais tenter d'un petit peu plus intensifier avec le dernier marron, mais j'ai peur que ce soit un poil trop chaud. Ouais, effectivement, c'est plus chaud. Je vais quand même utiliser ça pour un peu plus intensifier au niveau du coin externe et du bas du creux, puisque j'ai quand même envie que ce soit un poil plus foncé. Alors le marron est effectivement beaucoup plus chaud, mais en fait dégradé dans les couleurs précédentes, ça va. Ça ne réchauffe pas trop, ça garde bien un côté froid, donc c'est très très bien. Et du coup c'est bien, parce que ça veut dire que mélangé au marron un peu plus chaud, ça fera une teinte chaude, mais mélangé aux couleurs froides, il peut s'utiliser comme un marron froid, donc ça par contre c'est très très bien.
Et vous voyez que ça intensifie quand même beaucoup plus que juste avant. Alors pareil pour le marron, il est hyper poudreux, vraiment vraiment poudreux. Ensuite du coup je vais venir prendre la teinte duochrome que je vais appliquer sur le trois quarts de la paupière et je vais juste laisser la partie interne de libre. Je vais prendre ça au doigt hein, parce que c'est le meilleur style d'application pour les fards lumineux. J'utilise éventuellement des embout-mousse quand je fais des queues de cuisse et que du coup je veux un truc un peu précis, mais sinon franchement le doigt c'est ce qu'il y a de mieux. Oh, en vrai je pense que ça aurait très bien pu fonctionner avec peut-être pas le jaune mais genre cette teinte là, le marron un peu plus clair et le marron foncé. Parce que c'est quand même pas mal marron au final, il y a quand même une bonne touche de brun dedans. Je sais pas du tout comment vous allez le voir mais ça fait vraiment un genre de vert marron. Je devrais une fois essayer d'utiliser des fards duochrome comme ça qui sont pas trop clairs, juste tout seul pour faire un make-up complet. Et je dis pas trop clair parce qu'en fait l'avantage de celui-là c'est comme il est assez marron, si je veux le dégrader dans le creux, ça donnera quand même un tout petit peu d'intensité parce qu'il est pas super clair et donc dans le creux ça fera un genre de marron. Mais par contre en fait ce qui me perturbe avec ces fards duochrome là, c'est que très souvent je trouve que ça a l'air un poil transparent. Alors qu'en fait c'est pas transparent, c'est juste que là comme il est duochrome marron, j'ai l'impression qu'on voit ma peau en transparence alors que pas du tout. Mais il est très beau, il s'applique bien et il est bien pigmenté. Ah oui je vous ai pas dit, le fard duochrome il s'appelle Clan of Two, clan de deux quoi, de Mendo et Bobby. Et alors en coin interne, je vais prendre la teinte lumineuse qui est juste ici, qui s'appelle Imperial Credit, que pareil je vais appliquer au doigt, mais cette fois-ci dans la partie interne. Ça se marie super bien avec le fard duochrome. Et je vais juste prendre un petit peu la teinte Basker Steel, toujours sur mon annulaire, parce qu'en fait c'est un peu plus clair que l'autre. Et du coup ça apportera un tout petit peu plus de lumière. Je mets pas trop, je tapote un peu, ensuite je vais un peu le dégrader comme mon autre doigt. Franchement je trouve ça très joli, je sais pas du tout comment ça va ressortir en caméra, parce que les fards à reflets, ça ressort jamais exactement comme en vrai. Ça donne un peu de dimension, et c'est pas mal, ça fait un peu grunge comme look par contre. Entre les fards froids et assez foncés dégradés comme ça, oui ça fait un petit peu grungy, mais c'est pas plus mal. En base, j'ai envie de retester la Hydro Grip de chez Milk, qui prend cette base là, parce qu'en fait j'ai envie de retester un peu les trucs qui restent dans mes tiroirs, je pense que je l'avais dit dans mon précédent tuto aussi, pour pouvoir éventuellement faire un tri. Et cette base là je m'en souviens pas des masses, et comme je trouve que la ELF colle de ouf et que je supporte pas la sensation que ça allait sur les doigts, je voulais voir si celle-ci faisait la même chose parce que, enfin, moi personnellement j'aime vraiment vraiment pas cette sensation, et j'envisage de me séparer d'ailleurs de la ELF à cause de ça, parce que moi je peux pas envisager de devoir à chaque fois me laver les mains alors que je suis occupée de me maquiller, enfin. Et du coup je voulais voir si celle-ci faisait effectivement la même chose ou pas. Ah, mais quoique non, ça le fait pas autant. Non, enfin je sais pas comment vous expliquer, non ça fait pas la même chose. Un petit peu. Mais après ça s'absorbe un peu et en fait non, ça reste pas... Bon là ça ferait quand même plaisir de rincer mes mains parce qu'après j'ai vraiment genre étalé comme ça sur tous mes doigts. Mais en vrai c'est quand même beaucoup moins dérangeant que le ELF. Par contre ça matifie pas du tout, ça ne lisse pas non plus. Donc je vais juste rajouter un tout petit peu de la The Ordinary au niveau de mon nez parce qu'il est hyper texturé en ce moment, c'est un enfer. De toute façon je pense que vous avez vu que ma peau de manière générale est redevenue catastrophique. J'ai de nouveau beaucoup d'imperfections, je sais pas pourquoi. Cela étant dit, fond de teint. J'espère que ça ira pour la teinte, que ce sera pas trop foncé, pas trop clair, et surtout que le sous-ton ira. Bah écoutez, ça me semble pas mal du tout. Franchement, j'ai l'impression que ça a l'air d'aller. Je vais prendre ça avec mon pinceau Love is the Foundation, comme d'habitude, de chez It Cosmetics. La teinte, c'est trop bien. C'est bien jaune. Je vais appliquer au pinceau d'un côté et à l'éponge de l'autre, parce que la fois passée, il me semble qu'en tapotant avec l'éponge sur le fond de teint lumineux style, que je le trouvais plus joli. Et je me dis ça parce que là, pour l'instant, je suis pas trop fan du résultat sur la peau. C'est horrible parce que j'entends que du bien de ces fonds de teint Armani. Puis ils sont extrêmement chers. Ça va, mais franchement, c'est pas un truc de ouf quoi. Alors après, est-ce que c'est sur ma peau à moi que ça convient pas? Je sais pas. Ouais, je trouve que c'est quand même plus joli effectivement appliqué à l'éponge qu'appliqué au pinceau. Je me demandais pas pourquoi, je sais pas, je trouve que ça se fond mieux, ça fait moins surface en fait. Alors question finie sur la peau, je pense que vous voyez, hein, c'est clairement semi-mat. Alors sur mon nez, ça a du mal à accrocher. Après, la fois passée, j'avais utilisé la base ELF et je trouvais que mon produit tenait pas. Enfin, quand j'ai appliqué mon bronzer au niveau de mon nez, ça a tout fait bouger. Alors après, c'est peut-être le mélange qui n'allait pas avec la base, mais le mélange, je l'avais utilisé avec la base Origins, il me semble, à Nouvel An. Et ça avait très bien tenu. J'avais pas eu du tout eu de problème de tenue. En anti-cerne, j'ai toujours envie de réutiliser Milani. Je me souviens pas du tout de ce que j'en pense. Je sais même pas si je l'ai utilisé en vidéo. Ça peut vous dire à quel point voilà. C'est le Conceal and Perfect Longwear Concealer en teinte 120 Vanille Léger. J'espère que ce ne sera pas trop clair. Et ça, je l'applique toujours à l'éponge. J'hésite juste pas à prendre mon petit pinceau de chez Pat McGrath pour un petit peu blender au niveau du coin interne ici. Tu sais, c'est pas mal, hein, ça camoufle bien. La texture est assez stable, j'ai l'impression. C'est l'anti-cerne qui se tient bien. Je dirais pas qu'il est épais, mais en tout cas, il est plus épais que d'autres textures. Et vu qu'il camoufle bien, j'hésite pas à revenir un tout petit peu sur mon nez. Parce que comme je vous dis, ça va pas accrocher des masses.
Ok, bah écoutez, je pense que celui-là, je vais le garder, je le trouve très bien. Je sais pas pourquoi je me suis pas plus servi que ça, parce qu'il est vraiment... il est vraiment top. En poudre, j'ai envie de retester la Infaillible, parce que j'avais dit à mon trip précédent, je pense que j'allais m'en séparer. Et en fait, j'en ai entendu que du bien dans des vidéos, et je m'étais pas encore séparée de mes produits, j'en restais dans un sac sur le côté. Du coup, je l'ai reprise, et j'ai pas encore eu... je me suis pas encore resservie depuis. En fait, c'est compliqué. Le teint, pour moi, c'est vraiment des trucs où c'est le plus dur d'avoir un vraiment beau fini. Il y a plein de poudres qui s'envolent. Et du coup, bah, quand j'ai des produits qui fonctionnent bien, c'est vrai que j'ai tendance à utiliser ceux-là constamment, quoi. Genre les poudres NYX. Bah, depuis que je m'en suis resservie, j'utilise tout le temps celle-là ou la Huda aussi, qui est top. Ou la poudre de Rit chez Primark, c'est vraiment, je crois, mon top 3 poudres. Parce que quand votre teint est beau, vous vous dites, bon, ok, j'ai pas envie de le ruiner. Je dis pas que les autres produits sont mauvais, mais comme t'es pas sûr, c'est chaud, quoi. Tu te dis, t'as pas envie de possiblement ruiner ton make-up. Bah, en fait, ça me semble pas trop mal là aussi. Je sais pas pourquoi je utilisais plus cette poudre-là non plus. Elle a l'air de vachement bien lissée. En tout cas, au niveau du dessous des yeux, là, c'est pas mal du tout. Alors au niveau de mon nez, parce que c'est généralement là que j'ai le plus de texture. Parce que la poudre de Cosmetics, je la trouve top. Mais je trouve qu'appliquée à la houppette, ça marque. Ah bah un peu comme celle-ci, j'ai l'impression. J'ai l'impression un peu comme celle-ci. Je sais pas. Oh, au niveau de l'aile de mon nez, c'est une catastrophe. Ça fait quoi? Je vais faire tout mon côté gauche avec la houppette. Et le côté droit, je vais faire au pinceau. Pour voir si ça change quelque chose. Parce que la fameuse poudre de Cosmetics, oui je sais, j'arrête pas de revenir avec ça là, mais c'est parce que ce qui me choque le plus, c'est que la première fois que j'ai cette poudre là en vidéo, je la trouvais trop trop bien. Puis maintenant quand je m'en sers, je la trouve pas folle. Alors que je me souviens que la première fois que j'avais utilisé, j'avais été vraiment bluffée. Mais il me semble qu'à l'époque, j'appliquais encore mes produits au pinceau. Genre ma poudre, etc, je les appliquais pas encore à la houppette, parce que j'avais pas encore la houppette Linda Hallberg. Donc on va essayer de l'autre côté avec, un pinceau. Oh mon dieu, je crois qu'il y a un retour flashback de l'horreur. Ouais, si, hein, il y a un petit sale retour flashback, hein, du côté où j'ai appliqué directement à la houppette, ça se voit de ouf. Bah écoutez, c'est pas faux, hein. Franchement, déjà, ça a mis en avant toutes mes petites peaux autour de mes imperfections ici. Je trouve que ça a retiré de la matière au niveau de mes imperfections. Et franchement, sur la peau, c'est pas très beau. Ok, bon bah ça, on sait déjà qu'on pourra s'en séparer. Je me disais bien que de base, si j'avais prévu de m'en séparer, c'était qu'il y avait une raison. Et ben, je vois bien la raison. J'ai la sourcil, toujours le même, le essence, je retiens jamais le nom, Lamination Style Brow Fixing Gel. A.K.A. meilleur gel à sourcils au monde, si vous arrivez à mettre la main dessus, eh bien prenez-le, faites-en un stock parce qu'il est trop bien. La seule chose c'est que, bah, je vous en parlais, hein, mais comme moi j'applique toujours après ma poudre, puisque justement je l'applique entre autres aussi pour retirer l'excédent de poudre et tout qui a tendance à un peu griser mes sourcils. D'ailleurs je pense que ça se voit, hein, quand j'ai mis le gel dans un sourcil et que l'autre n'est pas encore fait, on voit clairement qu'il y en a un qui est plus gris que l'autre. Bah, du coup forcément les excédents de poudre se mettent sur la brosse, que je remarque ça dans le produit, donc ça devient un peu opaque. C'est pour ça que généralement j'aime bien que les gels à sourcils transparents et un contenant opaque, parce que oui c'est très beau. C'était surtout très beau quand c'était neuf, parce que là c'est quand je dirais un petit peu dégueulasse. Pour mon ras de cils inférieur, je vais reprendre le Jumbo Intense Night de chez NYX, que je vais du coup appliquer en muqueuse et en ras de cils. Je vais quand même vous zoomer pour vous montrer ce dont je parle, mais je pense que vous allez très bien voir que là, tout autour de mes imperfections, la poudre elle a tout marqué quoi. Et j'ai pas ce problème là avec d'autres poudres, vraiment ici là on voit directement, et là aussi. Au niveau de mes ailes du nez, pareil, ça m'a fait des sales traces dégueulasses. Ce n'est vraiment pas beau, franchement là mon teint il est immonde, c'est horrible, entre ça et le flashback, quelle horreur. Je vais commencer du coup par appliquer le fard un petit peu kaki partout au niveau du ras de cils, et ensuite je le dégraderai avec le gris. En fait non, plutôt que d'utiliser la teinte froide là pour dégrader, j'ai envie d'utiliser le brun chaud pour apporter un petit peu de chaud au make-up, je pense que ça peut être beau. Et peut-être même que j'en rajouterai un peu au-dessus, je pense que ça peut être pas mal. Donc je le prends avec mon petit pinceau MSQ et je viens dégrader ça au niveau des bords de mon fard. Bon par contre je suis stupide, j'avais zappé que j'avais encore plein de gris sur mon pinceau. Donc en fait ça a dégradé dans le ton froid, mais c'est pas trop grave, franchement ça va. Ok alors j'ai terminé mes yeux, j'ai mis mes faux cils, mon mascara. Je voudrais juste appliquer un petit peu de fard en coin interne et du coup je vais reprendre le fard le plus clair avec un petit pinceau. C'est un petit detail shader de chez Jessup, c'est les mêmes que les Zoeva. Et je vais tenter de le mettre sec, mais oui. Comme je poudre quand même beaucoup mon coin interne, généralement les fards prennent pas. C'est d'ailleurs aussi entre autres pour ça que je mets du crayon comme base au niveau de mon ras de cils inférieur. Parce que sinon je poudre tellement qu'en fait ça peut pas prendre quoi. C'est genre poudre sur poudre, ça glisse un peu. Alors que le fard est en soi bien pigmenté. Et humide, c'est vraiment vraiment pas mal.
Du coup, maintenant, on peut passer au reste du teint. Et là, c'est pareil, j'ai quelques trucs à tester. En bronzer, j'ai acheté le mini bronzer de chez Glowish. Alors, par contre, je l'ai pris en teinte médium. C'est un poil clair, quoi. Les teintes mélangées ont genre presque la même teinte que ma peau. Je pense que j'aurais pu prendre médium tan. Il me semble que ça, la teinte juste au-dessus. Parce que là, c'est... Enfin, je pense que vous voyez, les marbrures claires, elles font la couleur de ma peau. Il y a pas masse de marbrures foncées. C'est pour ça qu'en fait, les produits marbrés, surtout pour le teint... Sorry, mais c'est un concept de merde. C'est pas pratique, quoi. C'est pas pratique. Je prends ça avec un buffing brush de chez Real Techniques. Histoire d'en attraper un max, mais je pense que vous allez voir que franchement, ça fait pas grand chose quoi, surtout pour moi qui aime quand même que ça se voit. Enfin, c'est pas une question de pigmentation en vrai, c'est plus une question de couleur quoi. La couleur est un peu trop claire, ce qui fait que là en plein hiver quand je suis pas du tout bronzée ça va. Mais dès que je vais prendre un peu de couleur ça n'ira plus du tout quoi. Oh, j'aime pas du tout quand je fais mon teint et qu'on voit encore toutes mes imperfections quand j'en ai beaucoup comme ça. Ça se voit énormément, surtout que c'est pas juste qu'on voit les imperfections, c'est que... En fait, quand je mets un fond de teint fort couvrant et qu'on voit mes imperfections, je trouve ça nul parce que ça fait l'effet hyper maquillé. En même temps, ça n'a aucun des bons côtés en fait du fait d'être super fort maquillé. Le but d'être fort maquillé et qu'on voit que t'es fort maquillé, bah, c'est que t'es un teint entre guillemets zéro défaut. Donc voilà, je réessayerai avec une autre base le fond de teint parce que sincèrement, je vous dis, je pense pas que ce soit un problème du fond de teint. Soit, je crois que j'arriverai pas à obtenir mieux, donc on va se contenter de ça. Je vais peut-être juste revenir un petit peu avec ceci, puisque je vous avais dit que j'avais pris la palette claire des Ambient Lightning de chez Powerglass, et j'ai aussi pris la version foncée. Alors par contre, le bronzer n'est pas beaucoup plus foncé que dans la palette claire, pour le coup. Il est un peu plus doré, alors que celui de la palette claire est un peu plus marronné. Mais après, celui de la palette claire, du nouveau, c'est un marbré. Et celui-ci aussi, donc du coup, bah, en fonction des marbrures foncées ou pas, bah, votre couleur est plus ou moins foncée, mais le problème c'est que les marbrures sont pas du tout uniformes, donc c'est un peu compliqué. Mais dans la palette claire, il y avait ce blush-ci qui était un peu froid, qui je pense pourrait bien aller avec ce look. Donc je vais garder le même pinceau, et je vais prendre un peu de ce blush-là, et je vais l'appliquer sur mes pommettes. Parce que je pense qu'un blush à sous-ton froid donnera vraiment mieux que ce look-ci. Et alors en highlighter, là j'en ai deux nouveaux de la gamme Sol de chez Colourpop qui sont trop beaux. La teinte Soft Pink, qui est aussi quand même vachement rouge. Je sais pas pourquoi j'ai envie de prendre des trucs un peu rose, rose gold. Mais j'ai pas l'impression qu'on verra des masques que c'est rose sur la peau. Ça sent bon, ça sent... Alors je sais pas ce que ça sent, mais ça sent un produit soin ou un truc du style. Du coup je vais le prendre avec mon pinceau de chez Morphe. Franchement mon teint je suis pas très fan, genre l'anti-cerne ça va, mais oh, le teint mieux, en fait la poudre a vraiment niqué. C'est ce que je vous disais, hein. On n'a pas envie de mettre un truc dont on sait pas si ça va être bien ou pas. Bah là je peux vous dire que j'aurais pas dû. En rouge à lèvres, je vais venir prendre le Baroque The Internet de chez MAC, qui est un rouge à lèvres nude mais assez rosé. Et je vais venir tracer les commissures avec le crayon Velvet Touch de chez Primark, qui est à peu près de la même couleur. Et je vais juste venir éclaircir un petit peu le centre de mes lèvres avec le crème de nude, toujours de chez MAC. Ce rouge à lèvres est vieux comme le monde, mais il fonctionne trop bien pour ça. Et l'odeur, c'est toujours la même chose, donc ça va. Et ensuite, parce qu'il semblerait qu'on n'en ait pas encore marre de me voir constamment appliquer du gloss, je vais venir prendre le Baby Brut de chez Fenty, que je vais appliquer un peu partout. Et voilà pour le résultat final du make-up, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Pour la palette, bah comme le trois quarts des palettes Colourpop, j'ai trouvé très bien, je trouve le fard duochrome super joli. J'ai trop hâte aussi de faire un make-up avec les fards lumineux, mais j'en ressens le duochrome, parce que je trouve que celui-là par exemple, il est magnifique, il est super lumineux, un genre d'argenté comme ça, trop trop beau. Le fond de teint, bah écoutez, je le trouvais pas trop mal, maintenant mieux appliqué à l'éponge qu'au pinceau. Je pense clairement qu'il faudrait mieux le retester avec une autre base et une autre poudre. La poudre, clairement, elle va partir, voilà, je vais pas la garder. Les highlighters, écoutez, je trouve bien, voilà. L'highlighter Colourpop, maintenant c'est à peu près le même genre de texture que les Super Shock. Pour moi, c'est un peu le même style de texture, un peu hybride comme ça, pas vraiment poudre, voilà. Le bronzer, ben, je vous dis, Glowish, je le trouve super chouette. Je m'en suis déjà servi. Le problème, c'est que la teinte est trop claire. Mais par contre, pour vous dire à quel point j'ai bien aimé la texture, il est dans mon panier pour ma prochaine commande par XL avec la teinte plus foncée parce que vraiment, je le trouve très très chouette. Je trouve que ça se fond bien dans la peau, ça fait pas d'effet poudreux sur la peau. Et donc, c'est assez imperceptible la fois passée quand je m'étais maquillée de façon plus légère au niveau du teint puisque j'avais moins de problèmes de peau. Franchement, ça s'était super bien fondu, j'avais vraiment bien aimé le résultat. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner en cliquant juste en dessous si ce n'est pas encore fait. Et puis quant à moi, d'ici la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous. Bye !